Kate et William, leur demoiselle d'honneur Margarita a grandi, une jeune femme au charme fou. Dans la nouvelle génération de la monarchie britannique, c'est une jeune fille que l'on devrait voir de plus en plus souvent. Née en 2002. La jeune Lady Margarita Armstrong-Jones est en effet en train de se faire un prénom sur la scène mondaine nationale. Unique petite fille de la princesse Margaret et d'Anthony Armstrong-Jones, la sœur parfois adepte de la polémique des Elizabeth II. La jeune femme aux cheveux blonds a en tout cas marqué des points ces dernières semaines. Apparue aux côtés des membres les plus connus de la famille royale aux funérailles de sa grand-tante. La jeune fille, qui a fêté ses 20 ans au printemps dernier, avait déjà participé à un grand événement familial il y a près de 12 ans. Le mariage du prince William et de Kate Middleton. Style Diva Place Holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at Media Screen End, minimum 8 990 px, Diva. À Place Holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Toutes les quatre portes, impressionnées, la traîne de Kate Middleton devant les yeux de centaines de millions de téléspectateurs. Supervisée par la sœur de celle qui est désormais princesse de Galles, Kate Middleton. Pipa. Et si celle-ci s'est définitivement fait connaître ce jour-là, Lady Margarita a également marqué le public, qui ne l'a pas oublié. Style Diva Place Holdé à 1 et à 2, 8 300 px, minimum et 250 px, at Media Screen End, minimum 8 990 px, Diva. À Place Holdé à 1 et à 2, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Retourner dans l'ombre depuis pour grandir tranquillement, tout comme le reste du cortège. La jeune fille semble désormais prête à se faire un nom. Et sa beauté pourrait bien lui servir, outre les cheveux blonds. Elle est le véritable portrait craché de la princesse Margaret, dont elle porte le prénom, et semble posséder le même glamour que celle qui a tant provoqué la polémique pendant sa jeunesse. Mais la jeune fille ne semble pas avoir envie de tout miser sur son physique, contrairement à sa grand-mère. Qui n'avait pas le droit de travailler et de faire sa vie loin des caméras, la jeune femme compte bien tout faire pour gagner sa vie et s'est déjà trouvé une passion. En effet, depuis quelques années déjà, elle dessine des bijoux et s'exerce à la photographie. Sans oublier de participer aux soirées les plus mondaines de la ville, où elle a bien sûr ses entrées. Mais pas toute seule, selon les médias britanniques, son grand frère Charles. Âgé de 23 ans, ainsi que ses cousins Samuel et Arthur Chateau, 26 et 23 ans, les deux enfants de Sarah Armstrong-Jones. La fille de Margaret l'accompagne régulièrement.